Peggy 12. Bonjour à tous, c'est Petit Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Commandos 2, Men of Courage, donc pour la suite de la mission 4. Alors qu'est-ce qui s'était passé dans le précédent épisode? Eh bien nous avions sauvé tout ce beau monde. Alors, on s'était même arrêté quand ce joli petit monde là justement avait tendance à tirer un peu sur tout le monde, non pas toi. À votre service, j'y vais, voilà, toi, tu vas là. À votre service, j'y vais, excellence. À votre service, j'y vais, excellence. Voilà. Et tout ce beau monde, bah avec vous deux. Une promenade. Voilà. C'est pour moi. Voilà. Alors, je sais plus si j'avais récupéré. Oui, ça, j'avais récupéré. Donc c'est pas. Allez, on y va pour la suite. Alors. Nous sommes en route. Voilà. On est un peu obligé de les tuer du coup. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi ils s'amusent à tirer sur tout le monde. Je leur ai pas donné l'ordre. Alors, donc là, on va aller par ici, donc sur le début du jeu. Et on va aller s'encastrer ici. Nous sommes en route. Alors, qui c'est qui est en tête? Elle est où mon voleur? Ah, j'ai pas pris mon voleur? Ah non, je l'ai oublié. Tout petit, je le faisais. Hop, allez toi, tu vas aller rejoindre les autres qui sont ici. Une promenade. Voilà. Donc on va attendre, de toute façon le voleur c'est le plus rapide. Ça devrait pas trop tarder. Voilà. Alors, nouveauté de ce monsieur, c'est qu'il peut grimper au mur. Voilà. On va changer d'angle de caméra. Non, c'était pas le bon. Voilà, celui-là, c'est mieux. Voilà. Et maintenant, alors je crois que c'est la touche E. Voilà, la touche E. Il déploie l'échelle. Voilà, donc l'échelle qu'on avait vue, je crois que c'était dans la deuxième mission. Je ne sais plus. Voilà, donc là maintenant du coup nos hommes peuvent passer. Donc pour l'instant ce petit beau monde là, comme il tire un peu sur tout ce qui bouge, je vais les laisser là. Voilà. Et vous deux, je dis, allez couche-toi, hein. Voilà. Donc là on est bon pour la suite. Mais d'abord il va falloir déblayer un peu de chemin. Mais pour ça donc on va prendre notre cher béret vert. Alors par contre je vais faire une sauvegarde. Voilà, et on va aller voir là-haut ce qui se passe. Je crois qu'on n'y avait pas été dans l'épisode précédent. Non, il y a du beau monde, c'est qu'on n'y a pas été. Voilà, on se dépêche, on va vite ici, et on jette un paquet de cigarettes ici. But atteint, monsieur. Voilà, comme ça, il y a lui qui arrive. Allez, regarde par là. Voilà. Exécution. Ça me plaît. Voilà, on va prendre sa vue à lui, et voilà, vous avez vu, il y a un petit passage. Je bouge, monsieur. Voilà, et au prochain, Je bouge, monsieur. On peut passer pour après le taper et le ligoter. Ça me plaît. Et tout ça pour un petit livret bonus. Ça, ça me plaît. Voilà, donc là, pour ce bâtiment, nous en avons fini. Et on va ressortir. Voilà. Je bouge, monsieur. Alors, maintenant, on va se mettre ici.
Et je vais juste voir. Ouais. Faut que je m'occupe de lui. Parce que comme vous pouvez voir, sa vue n'y va pas. But atteint, monsieur. Ça me plaît. Et voilà. Donc là, faut pas trop rester parce qu'il y a des snipers. Alors je vais cacher le corps. Très important pour la fin de la mission de bien cacher tous les corps. Voilà, donc là vous avez un sniper ici. Tu permets. Voilà, vous avez. Tu permets. Oh, c'est bizarre là, cette caméra là qui ramène toujours. Voilà, donc là vous avez un sniper. Donc vous voyez, sa vision n'est pas très large, mais elle va extrêmement loin. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut pas trop rester non plus à découvert. Donc maintenant, on va aller visiter. Toujours pour les livrets bonus, on va aller visiter ce bâtiment. Et je crois que c'est dans celui-ci où je vais avoir sûrement besoin du chauffeur. Non, c'est pas celui-là, mais c'est pas grave. Exécution. Hop, et on se dépêche. Donc eux, ils font juste cette ronde-là, pas besoin de s'en occuper. Hein. Comme la plupart de ce bâtiment d'ailleurs. Comme là, eux, si on court pas, voilà, il n'y a rien à visiter ici. Donc, on s'en préoccupe pas. Voilà, lui, par contre, on s'en préoccupe. Hop, on change de caméra, voilà. On le prend et on le jette ici. Eux, normalement, ils bougent pas. On les laisse. Lui, pareil, il n'y a rien à visiter. On a un livret bonus. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a... Voilà, donc ça, c'est important. Ça aussi... Ouais, je vais pas l'utiliser, mais on prend quand même. L'appel, non, j'utilise pas. L'échelle, c'est déjà fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à redescendre. Et on en a fini avec ce bâtiment. J'y vais, hop, donc faut faire attention ici, les portes, elles sont ouvertes. Hein. Donc de pas se faire remarquer. Ça me plaît. Et on y va. Voilà. On est où là? Ah oui, on est là. Maintenant, on va aller par ici. On va garder cette vue-là. Et on va aller là. Donc là, ici, il y avait deux hommes hein, qu'on s'est débarrassés quand on avait l'équipe locale, on va dire. Je bouge, monsieur. Alors là, on va se coucher. Donc ici, il y a un monsieur. Et ici, il y a un sniper et quelqu'un qui regarde. Donc bien faire attention. Je bouge, monsieur. Alors, je vais prendre sa vue. Et bah là, tout simplement, on va, pour s'occuper de lui, on va jeter un paquet de cigarettes. Voilà, exécution. On jette là où il regarde, comme ça, hop, on s'en occupe, tout simplement. Oups. Eh bah zut, je me suis fait repérer, du coup, il y a trop de monde. Bon, bah je recharge, petite ellipse et on se retrouve ici. A tout de suite. Et voilà, donc ça n'a pas pris bien longtemps. Bouge, on se retrouve ici. Alors, donc cette fois, il faut faire attention de ne pas se faire repérer bêtement. Donc c'était par lui. J'avais jamais fait gaffe qu'il pouvait voir. Ah d'accord, il voit un filet. Bon, en même temps, là, vu que je suis comme ça, il n'y a pas besoin de paquet de cigarettes. Hein. Voilà, hop. Alors, maintenant, bah déjà, je vais faire une sauvegarde. But atteint, monsieur. Voilà. Ça évite de faire des ellipses inutilement. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ici, on n'a personne. Ah oui, ça, je me souviens. Lui, il est assez casse-pied. Je bouge, monsieur. Je bouge, monsieur. Alors, je sais plus comment il voit. Je bouge, monsieur. Ça me plaît. Voilà, bon là je me suis fait repérer. Est-ce que ça va poser problème? Bon allez, on laisse comme ça parce que il y en a marre des ellipses et de recommencer. Alors, donc lui il va retourner au boulot. Ça me plaît. Et voilà. Donc là, il n'y a rien à zioter, hein, c'était juste lui qui regardait dehors. Alors lui, par contre, voilà, donc la difficulté, je sais pas si vous avez remarqué, c'est que malgré le... Donc là, le trou de l'échelle, il voit ce qui se passe en dessous. Il n'y a rien de toute façon dans cette salle. Non, il n'y a rien.
Alors, hop, on sort. On n'oublie pas de ramasser le corps pour le cacher. Très important pour la fin. Alors, on va se coucher parce que bah, du coup, il y a le monsieur là-bas qui peut nous voir. Et on va rentrer. Alors, donc là, il y a lui non, qui repère un petit peu. Non, pas du tout. C'est parfait. Alors. Ordre exécuté. J'y vais, monsieur. Hop, on se dépêche. On se met là. Et dès qu'il rentre, on lui met une cacahuète. Ça me plaît. Et voilà. Alors, voilà. Donc, c'est lui. Alors, on décale un petit peu. Normalement, il fait une petite halte. Voilà. On ouvre la porte. Ça me plaît. Dépêche. Alors, je sais pas où j'ai cliqué pour qu'il s'en aille à Babelwed. Alors, lui. Voilà. On va tout planquer ici. Ça évite de se faire repérer inutilement. Alors je vais juste prendre sa vue à lui, on ouvre la porte et on s'en va. Voilà. Et donc là, on va faire appel à notre monsieur qui était resté ici. Allez, cours. D'ailleurs, toi, je n'avais pas récupéré tes munitions. Non. Tu vas aller vite fait ici. Hop, allez. Dépêche-toi, on va y récupérer tes munitions. Donc ça va être surtout, je vais surtout prendre ces cocktails pour endormir les méchants. Mauvaise pioche. Ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Et tiens, le sniper aussi, il n'a pas ses munitions. Normalement, j'en ai pas besoin, mais bon, on va quand même les prendre. Puis dès qu'on le croisera, on lui donnera ses mines. Hop, non, voilà. Je fonce. Hop. Un jeune enfant, je fonce. Et du coup, voilà. Là, c'est bon. Un jeune enfant, je fonce. Du coup, maintenant, on peut ressortir. Hop. Désolé pour le petit contretemps. En même temps, le contretemps, c'est ce que j'ai pas fait dans la mission précédente. Hein. La vidéo précédente. Hop. Et. Correct. Non, là. Ok. Hop, on s'allonge. Et on va aller voir dedans. Je fonce. Voilà. Et on va passer par là. C'est comme la porte, elle est ouverte. Je peux même me lever maintenant. Comme la porte elle est ouverte, ça serait dommage de se faire avoir. Alors on va juste attendre que lui il retourne ici. Et après on va jeter. Alors c'est haut je crois. Oui c'est haut. Allez dépêche. Je vais faire une sauvegarde avant. Voilà. Comme ça si je me fais remarquer, je recommence que d'ici. Je démarre. Et c'est parti. C'était simple. Et voilà. Alors par contre cette fois, voilà, hop, je les vois pas tous, ils sont là les autres, voilà, bien pensé à les ligoter, hein. Et voilà, alors du coup maintenant, on va fouiller là-dedans, je démarre, je fonce. Voilà, pour y trouver un petit cocktail. Un livre bonus. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, je vais quand même prendre le soin. Mais sinon, dans le reste, c'est les fumigènes, je les utilise pas. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, à toi. Tu vas aller de là-haut. Et je crois qu'il faut que je me prépare aussi. Il y en a un qui est juste en haut des escaliers. Voilà, donc c'est celui qui regarde par dehors. Hop là. Voilà, comme ça, il n'y a plus de problème. Ici, il n'y a rien. Bouge, donc monsieur. Là, on va rester là.
Voilà, donc ça, on en a fini avec lui. D'ailleurs, je me souviens plus ce qu'il y a ici. Hop, on va regarder. Ouais, ok, ici on peut monter. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Je crois, ah oui, c'est une tour de sniper, ouais. Donc il va peut-être falloir que je m'en occupe. C'est ça. Donc lui, dès qu'il sera accolé à son pote. Voilà, donc là on peut commencer à monter. Exécution. Et voilà. Donc ça, c'est les snipers qui peuvent regarder dehors. Voilà. Et voilà. Donc là, pas besoin de les fouiller parce que de toute façon, le matos, j'en ai pas réellement besoin. Paquet de cigarettes, non, je crois qu'il va plus me servir maintenant. Donc là, bien évidemment, on court pas. Hein. Même si ces messieurs n'ouvrent pas les portes, on peut attirer leur attention. Donc voilà, le béret vert, c'est fini. Ah bah tiens, le béret vert, il s'est pris un truc. Donc toi, t'es où? T'es là. Alors on va changer d'angle la caméra. On va prendre sa vue à lui. Voilà. Et tu vas avancer. Regardez bien. Debout, ce que je t'ai. Cible suivante. Regardez bien. Oui. Et donc là, on fait un carton. Voilà. On se rallonge et on fait attention, parce que bien évidemment, il y a lui qui est aux aguets. Même pas. Hop, donc là on va aller là, le béret vert, ok, t'es là, le chauffeur, t'es ici, ça tombe bien, tu vas aller récupérer de suite les corps. Je démarre. Hop, on cache tout. Voilà, maintenant... Ouais, faut que j'aille m'occuper de. Donc on va faire ça comme ça. Cible suivante. Voilà, donc vous avez vu le point d'interrogation, en fait, c'est parce qu'il m'avait repéré. Hop. On grimpe et on va lui faire sa fête. Voilà, tiens. On t'apprendra. Non, je te veux pas avec moi, moi je veux redescendre. Ah, on prend sa vue. Regardez bien. Non. Ça marche. Re-rentre. Regardez bien. Voilà. Je me suis trompé. Bien. Bien fait d'attendre. Hein. Regardez bien. Ouais, on va se dépêcher. Avec plaisir. Voilà. Donc ça c'est marche. Bon. Hop, on va regarder par la fenêtre pendant qu'on y est. On va débarrasser. Ah bah c'est trop tard. Donc on va attendre un petit peu. Donc là, prochain sur la liste, ça va être lui. Et lui. Voilà. Tout simplement. Ils vont nous gêner pour la fin. Et donc là, comme vous avez vu donc dans le briefing de la mission, de la vidéo précédente, hein, en début de mission, notre véhicule d'extraction. Alors, je vais prendre sa vue. Et dès qu'il me tourne le dos, donc moi je suis fermé derrière la porte là. Dès qu'il nous tourne le dos, on va lui en mettre une derrière la tête. C'est un succès avec plaisir. Voilà, on le ligote. Et maintenant, eh ben on va aller s'occuper de lui. De toute façon, personne ne le voit d'ici. J'aurais pu descendre, hein, mais avec celui qui est ici là, c'est... Ça c'est je m'y dirige. Avec plaisir. Compliqué. Voilà, allez, toi là-bas. Et du coup, là, on aura fait le nettoyage pour la fin de la mission. Il nous manque, on va dire, l'avant-dernière partie. Donc, à savoir récupérer les bonus. Et regardez bien. Et vider la tour, là où il y a la radio. Pour que les messieurs qu'on a armés précédemment puissent faire leur travail. Alors, maintenant, je suis où? Je suis perdu. Non, je suis pas perdu. Alors, on va prendre sa vue à lui. On va se mettre ici.
Ouais, parce que d'ici, je l'ai pas. Ah si, je l'ai. Donc là, je fais une sauvegarde. Je le tue, je prends le béret vert, je sors par la fenêtre et je tape les deux snipers. Tout ça en espérant avant qu'ils sonnent l'alarme. Et c'est parti. Attendez, monsieur. Oups, j'ai perdu un peu de temps. Ça me plaît. Bien. Ah bah non, il donne pas l'alarme. Ah, j'avais été plus rapide que ça dans l'entraînement. Hop. Alors on va le ligoter avant qu'il se réveille. Et on cache les corps, bien évidemment. Comme tout à l'heure. Rien ne doit traîner. Donc voilà. Donc pour lui, c'est fini. Donc toi, tu peux redescendre. Hop, on va pas courir. Et tu vas prendre la porte ici. Voilà. Nous sommes attentifs. Est-ce que j'en ai fini avec vous? Oui. Protection disponible, monsieur. Le chauffeur. Je pense. Tu vas aller voir lui. Non. Non, tu regardes. Monsieur. Je veux pas la porte. But atteint. Commandez, monsieur. C'est à moi. Toi. Voilà. Ah, laborieux. Tu vas récupérer tes cocktails. Non. Voilà. Ça, c'est bon. Tu vas aller voir le sniper. Tu vas lui donner ses mimunes. Ouais, de toute façon, là, il me restait 2 balles. Et la prochaine, ça sera pour le tyran. Alors, on va changer d'angle de caméra. Et on va venir par ici. Tiens, j'ai pas fait cette maison. Fait oublier. Alors il est où? Ok, il est là. Ouais, non, là il peut me voir normalement. Voilà, là c'est bon. En chemin. Et c'est parti. Ouh, quelle chance. Je suis passé sur le côté. Donc là, eux, ils nous voient, mais ils fuient en courant. Hein. De ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. À l'inverse, dans Desperado, les civils, quand ils vous repèrent, ils s'amusent à aller prévenir les gardes. Voilà, donc Desperado. Mais non, oh. Comment ça se fait qu'il m'a repéré? Non, il me repère pas. Bon, on reste comme ça. Donc ça, on va récupérer. Ah, décidément, là, c'est n'importe quoi, cette vidéo. Donc, on va se soigner en même temps. Voilà. Allez, viens. Et on va prendre la porte. Alors, la caméra, non. Voilà, comme ça. Et maintenant, on va aller ici. Je vais juste regarder les calepins. Donc là, il nous en manque... Ah, il nous en manque 2. Bizarre. Il va falloir que je regarde. Alors, donc toi. Et c'est parti. Il y en a un, je sais, il est ici. Est-ce que t'as un paquet de cigarettes sur toi? Non. Bon. Je fonce. Oups, faut pas courir. Je démarre. Le béret. Ça me plaît. Tu vas re-rentrer dedans. Ici. J'ai tout fait. Oui. Je bouge, après, monsieur. À l'étage aussi, j'ai tout fait. Ouais, de toute façon, ici, il n'y a rien. Je bouge, monsieur. Où c'est que j'ai raté le dossier? Ah oui, ça y est, c'est bon, je m'en souviens. Alors, donc ça, c'est bon. Monsieur. Donc on va retourner là-dedans parce qu'il nous faut impérativement un paquet de cigarettes. Et pour nettoyer la tour, c'est là-dedans où il y a la radio. Donc pour ça, on se cale ici. Un paquet de cigarettes qu'on jette ici. Le garde le repère. Et voilà, comme d'habitude, il s'en prend plein la tête. Et donc là, pour la suite de la mission... Alors ça, c'est un truc, bah comme tout à l'heure, hein, faut cacher tous les corps à la vue de nos amis. Parce que sinon, ils vont s'amuser
à leur tirer dessus. Ils sont ligotés ou quoi que ce soit, mais ils vont quand même leur tirer dessus. Toi, maintenant, tu vas m'en jeter une là-dedans. Voilà, comme ça, ça rompille. Et tu m'en jettes une autre dedans. Voilà, comme ça, ça roupille. Toi, maintenant, tu peux monter. Et comme ça, il n'y en a plus qu'un à tabasser. Alors, bien évidemment, hein, faut se dépêcher de les ligoter. Et donc là, c'est la radio... Mais me dis pas qu'il les a jetés dehors, ce saligo. Je bouge, monsieur. Moi, je veux que tu les jettes dedans. J'ai bien cru qu'ils les avaient jetés dehors, parce que s'ils les jettent devant les gardes, ça va pas le faire. Et toi, dedans. Voilà. Bah dis donc, cette mission, le jeu me troll dans cette mission. Hein. Entre le premier garde qui est pas attiré par le paquet de cigarettes mais qui le repère au dernier moment. Là, lui qui veut plus jeter les corps à travers le trou de l'échelle. Voilà. Ça me plaît. Bon, ça c'est bon, la place est libre pour nos amis de la résistance locale, je dirais. Je sais plus comment ils s'appellent. Les Gourkas, voilà. Donc là, on a donc ordonné aux Gourkas de transmettre un message radio, éliminer le tyran, évacuer le chef spirituel. Contacter le gros. comment ils ont appelé ça. Et armer les Gourkas, d'accord. Bon, là, tout est bon. Faut juste que, voilà, c'est dedans. Le dernier bouquin. Donc là c'est bon. Alors donc là honnêtement on se prend pas trop la tête. Exécution. À moi. On tape premier bouquin. Et je crois même qu'il y en a un deuxième. Je bouge, monsieur. Exécution. Voilà. La porte. Exécution. Ça me plaît. Et voilà le dernier bouquin. Butatin, monsieur. Normalement, on est complet. Ah, même pas. Décidément. Ah ben non, je suis bête, je l'ai pas pris normalement dans la commode. Hop. Alors, on va y retourner vite fait. Voilà, alors. Voilà, décidément. Je parle et... J'oublie de prendre le livre. Ça m'est arrivé aussi dans la mission d'entraînement. Donc ça, c'est bon. Alors, vous allez aller là. Mon voleur, il est où d'ailleurs? Ah, il est là. Une promenade. Voilà. J'y vais. Quelque chose pour nous. Vous allez tous ici. Poussez-vous. Voilà. Et sauf toi. Tu vas aller là. C'est pour moi. Voilà, vous allez vous coucher pour éviter de vous faire repérer. Messieurs, vous allez grimper. En avant pour la victoire. Voilà, et vous allez venir ici. Nous sommes en route. Partons. Voilà, alors sauve-toi. Avec ta voix bizarre là, tu vas venir à côté des hommes pour t'allonger par terre, ça évitera de te faire repérer. Voilà, donc là c'est bon, on arrive sur la fin, une petite sauvegarde, hein, au cas où si ça capote, on n'est pas à l'abri du fail. Et on y va. En avant pour la victoire. Voilà. On les met à la tour. Alors par contre, il faut en sélectionner qu'un. À votre service. À votre service. Il est en route.
Et voilà, donc comme il l'a dit, il est en route. Donc là, le sniper, il grimpe au lampadaire. Et comme vous pouvez voir, donc il y a les soldats. Donc là, celui qui était ici, si on laisse le corps par terre, il le voit. Bon, c'est cela, c'est normal. Mais j'ai oublié de cacher celui-là. Oh zut. Bon bah ça sent le fail. C'est dès qu'ils vont voir, ils vont se mettre en alerte, chercher partout et du coup ils risquent de voir mes hommes. Ou du moins mon sniper. Je crois que c'est mon sniper en premier qui se fait avoir. Voilà, hop. Eh, descend. Section disponible. En route la troupe. Vous êtes inspiré. Votre humble serviteur. Voilà, donc le tyran, c'était lui. Voilà, tout le monde rentre. Et on a fini la mission. Et voilà, donc la mission terminée, la page, la photo de notre cher béret vert est entière. Donc là, il y en avait beaucoup, il y en avait 9 je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, oui, il y en avait 9. Oh bah dis donc, il y a du vide dans les étoiles là. Hein. Donc voilà, donc une mission qui se finit en 50 minutes, sachant que les premières, hein, je les finissais en 1h30 je crois. Donc celle-là un peu plus rapide. Par contre là, ça va être assez tendu. La mission bonus, si vous allez vite comprendre pourquoi, en fait on doit tendre une embuscade. Voilà. Alors, hop, on se met comme ça une sauvegarde et c'est parti. Donc pour l'embuscade, nous avons le béret vert, le sniper, l'artificier. Et le chauffeur, donc l'artificier tu vas venir ici, le chauffeur tu vas venir ici. J'écoute monsieur. Toi, tu peux te lever. Quelque chose pour nous ? Voilà. Et vous allez venir ici. J'écoute monsieur. Hop, toi. Donc dans son pactage, lui, il va avoir donc le lance-flammes. Que je vais pas utiliser normalement. Les grenades que je vais utiliser et surtout les mines. Terminé. Alors, la première mine, tu vas nous la caler. Ouais, tu vas nous la caler par ici. Hop. Voilà, c'est bon, il est reparti là. Faut bien évidemment, pendant l'embuscade, faut pas se faire. Quand on entend les pièges, faut pas se faire repérer. Hein. Tac. D'accord. Une par ici. D'accord. On en jette une ici. Après, donc là, énormément de gammes. Vous voyez, donc là, on voit. Un peu de soldats, c'est on va dire, ça c'est la première vague, il y en a trois. Alors on va se mettre ici, on va en mettre une ici, on va en mettre une ici, d'accord, une ici, d'accord, voilà, admirer le travail, et une ici. Puis la dernière, on va la poser c'est là. Rayon. Voilà. Donc ça, c'est bon. Lui, il a posé ses pièges. On va poser c'est lui. Lui, son piège à loup, on va le poser ici. Et après, lui, c'est le seul piège qui va attendre. Vu que les grenades, j'en ai besoin. Donc lui, souvenez-vous, dans la mission 2, il avait donc un filet là. Voilà. Mais moi, j'ai besoin de mes grenades. Donc du coup, je vais pas m'en servir comme ça. Alors, vous deux, messieurs. On attend les ordres, monsieur. Debout. On attend les ordres. On va rester couché parce que vous allez rester ici. Venez. Voilà. Et vous allez venir. Alors, toi, par contre, ici, tu sers à rien. À votre service, monsieur. À votre service, comme vous voudrez, monsieur.
À votre service, monsieur. Voilà. À votre service, monsieur. Voilà, c'est bon. Après, donc là, il m'en faut 3. On attend les ordres, monsieur. 3. On attend les ordres, on attend les ordres. Voilà, sauf que vous vous levez. Et puis ? Et puis, on bah, tu vas venir ici. Vous allez venir ici. On va tourner la caméra. Alors. À votre service, comme vous voudrez, monsieur. Il m'en faut un. Oui. Tu te couches. Il m'en faut un par ici. On attend les ordres, monsieur. Les deux autres. On est en route, monsieur. On attend les ordres. On est en route, monsieur. Voilà. Alors toi, tu vois comment ? C'est bon. Et toi, tu vois comment ? C'est bon. Voilà. Non. Voilà. Après. Toi. Comme vous voudrez, monsieur. Tu viens ici. Toi, tu viens ici. On attend les ordres, monsieur. Vous deux. Vous allez les. Vous allez aller là-bas. Décidément, j'ai du mal à parler. Alors, on va changer de caméra. Voilà. On est en route, monsieur. Vous allez vous allonger et venir, voilà, comme ça. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Maintenant, tout le beau monde qui reste. Garde à vous. On attend les ordres. On est en route, monsieur. Vous allez venir. Venez. Vous caler ici. Alors, on se couche. On attend les ordres. Quelque chose pour nous ? Nous convergeons, monsieur. Voilà. Commandez, monsieur. À votre service, monsieur. À votre service, monsieur. Comme vous voudrez, monsieur. Alors là, ça va pas le faire. À votre service, monsieur. Comme vous voudrez, monsieur. Voilà. À votre service, monsieur. Comme vous voudrez, monsieur. Non, tu viens là. À votre service, monsieur. Comme vous voudrez, monsieur. C'est à moi. Je démarre. Toi, tu viens là. J'écoute, monsieur. J'écoute. Tu viens là. Commandez, monsieur. Je bouge. Tu viens monsieur, là. C'est pour moi. Ça marche. Tu viens là. À votre service. Voilà. Monsieur. Toi, maintenant. Comme vous voudrez, monsieur. Tu viens par là. Ok. Non. Oui. Voilà. À votre toi. Service comme vous voudrez, monsieur. À votre service, monsieur. À votre service, monsieur. Comme vous voudrez, monsieur. Ils sont okay. Pas faciles à placer, hein. Oui. Voilà. Ok. Non. Oh. Oui. Voilà. À votre service, monsieur. Comme vous voudrez, monsieur. Toi. Ok. Et du coup, lui, il a bougé. Non, mais c'est dit n'importe quoi. Ah, là, je suis pas bon. Comme vous voudrez, monsieur. Là, je suis pas bon. Ok. C'est à moi. À votre service, monsieur. Comme vous voudrez, monsieur. Oui. Ok. On attend les ordres. On est en ah là là. Bon, je fais une petite ellipse et une fois qu'ils sont bien installés, je vous montre. Voilà, à tout de suite. Et voilà, donc ça n'a pas duré trop longtemps, hein, ils se sont bien placés pour le coup. Alors, je fais une petite sauvegarde. On va se mettre sur... donc là, il y a juste lui qui est ici. C'est pour moi. Si à un moment donné, il y aura un sniper, donc sa visée, comme vous pouvez voir. Par contre, lui, il est en quoi, là ? Non, moi, je... Regardez bien. Voilà. Ah non, il garde le flingue. Ok. Bah, tu vas peut-être t'avancer un peu. Top. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc lui, il est là. Donc bien les mettre derrière. C'est eux qui prendront tout d'abord. Et ça évite qu'ils se prennent des coups inutilement. Donc oui, toi, c'est bon. C'est bon. Dernière sauvegarde. Et on y va. Go. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde qui arrive. Alors pendant ce temps-là, moi je prépare les grenades au cas où si on voit un artificier. C'est mon rayon. Oh, j'en ai tué deux. J'avais oublié. Bon, on recommence. C'était pas trop mal. Hormis le fait que je jette la grenade. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Par contre, moi. Toi, tu vas peut-être t'avancer un peu. Voilà, un peu mieux. La grenade. Voilà, donc eux, il faut faire attention. Hein, c'est... Ils lancent des grenades. Donc là, c'est bon. Deuxième vague qui va arriver. Admirez le travail. C'était élémentaire.
Voilà, et on jette les grenades que quand il y a une forte concentration. Voilà, donc là ça va pour l'instant. À l'entraînement j'avais utilisé beaucoup plus de grenades pour la deuxième. Là ça a l'air d'aller. Eux ils gèrent ou pas? Oui, eux ils gèrent. Donc là on va voir la troisième vague. Et la dernière, donc en espérant que ça se passe bien. Admirez le travail, c'était élémentaire. Admirez le travail, c'était élémentaire. Voilà. Admirez le travail, c'était élémentaire. Qui c'est qui m'a jeté une grenade? Oh non, j'étais bien parti. Bon, bah ellipse et puis je vous montre la bonne. Voilà, à tout de suite. Admirez le travail, c'était élémentaire. 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 C'est pour moi. Regardez bien. Et voilà. Donc là, on arrive sur la fin. Et c'est tout bon. Voilà. Bon, bah désolé pour la petite ellipse. Hein. En même temps, heureusement, parce que pendant donc l'assaut, on va dire, j'ai fait deux entraînements où à chaque fois, il y en a un qui passe par derrière. Donc c'est celui que j'ai tué avec le sniper. En fait, il passe, il me tire dessus et du coup, j'ai des hommes qui se retournent. Pendant ce temps-là, j'avais un grenadier qui passait à chaque fois, donc d'où l'explosion que vous avez vue. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai avancé le sniper un peu plus et tout s'est bien passé. Voilà. Franchement, cette mission bonus, au début, un vrai calvaire. J'ai mis du temps avant de... avant d'utiliser les bonus qu'ils nous donnaient, à savoir donc les grenades et la mine. Et surtout donc le piège à loup, comme ça, ça me fait une mine supplémentaire pour le côté gauche. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine mission où on va encore changer de décor, un décor même très très joli, très coloré, j'aime beaucoup. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça par vous-même dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas, le petit j'aime, le petit commentaire, et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.